Bonjour, chers étudiants. Je viens à travers cette vidéo connaître avec vous le module de fiscalité. Et la séance d'aujourd'hui va porter sur l'imposition des revenus fonciers. Maintenant, il faut d'abord parler de qu'est-ce que c'est que le revenu foncier, d'abord parler de ce qu'on appelle les revenus imposables. Les revenus fonciers sont des revenus issus de la location de propriétés bâties, ou bien de la location de propriétés non bâties, ou bien des revenus aussi de la sous-location. De la sous-location ou de la sous-location ou bien de la location de droits d'affiche ou des recettes analogues, par exemple la location dans le droit de propriété ou d'usufruit. Donc, mais il faut faire une précision extrêmement importante. Il s'agit des revenus locatifs qui ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une activité industrielle commerciale. Par exemple, s'il s'agit d'une société ou d'une entreprise individuelle où cet immeuble-là est inscrit à l'actif de son bilan, les revenus issus de la location de cet immeuble ne peuvent plus être considérés comme un revenu foncier. Ce sont les revenus fonciers, c'est un monsieur Ndiaye qui n'a pas d'entreprise, son immeuble n'est pas inscrit à l'actif d'une entreprise, il donne son immeuble en location. Donc, à la fin de l'année, l'État va réclamer à monsieur Ndiaye un impôt sur le revenu foncier. Mais s'il s'agit par exemple de monsieur Diop, qui a par exemple aujourd'hui une entreprise qui fait par exemple dans le commerce général et que cette entreprise aussi possède un immeuble qu'elle donne en location, l'immeuble en question, les recettes issues de la location de cet immeuble-là ne peuvent plus être considérées comme des revenus locatifs. Ces recettes-là ne peuvent plus être considérées comme des revenus locatifs. Donc, ce sont des revenus issus de la location de propriétés bâties, des revenus issus de la location de propriétés non bâties ou des revenus accessoires provenant notamment de la location du droit d'affiche, de la concession du droit d'exploitation de carrière, de redevances très foncières ou des recettes analogues. Maintenant, comme j'ai dit, il s'agit bien de revenus locatifs qui ne sont pas issus dans les bénéfices d'une activité industrielle, commerciale ou même d'une profession commerciale. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, la loi prévoit deux modalités d'imposition des revenus locatifs, des revenus fonciers. Il y a le régime du droit commun et le régime du droit commun vise quoi? Le régime du droit commun vise les revenus locatifs qui dépassent 30 millions annuellement. Lorsque le revenu locatif dépasse 30 millions annuellement, dans ce cas, on est dans le cas du régime du droit commun. Mais lorsque le revenu dépasse est inférieur ou égal à 30 millions, dans ce cas, on est dans le régime de la contribution globale foncière qui a été mise en place par la réforme de 2012. Mais ici, on va se présenter sur les revenus issus de droits communs, c'est-à-dire les revenus qui excèdent 30 millions annuellement. Dans ce cas, pour calculer l'impôt sur le revenu, il faut déterminer ce qu'on appelle le revenu net foncier. Le revenu net foncier, c'est le revenu brut foncier moins les charges déductibles. Donc, c'est le revenu brut foncier moins les charges déductibles. Maintenant, il va de soi de savoir qu'est-ce que c'est que le revenu brut foncier, qu'est-ce qui constitue le revenu brut foncier, qu'est-ce que c'est que les charges déductibles. Qu'est-ce que c'est que les charges déductibles? Maintenant, pour le revenu brut foncier, le revenu brut foncier est calculé à partir des recettes brutes qui sont effectivement encaissées, les recettes brutes, pas les recettes nettes, parce qu'en réalité, l'article 201 du Code général des impôts a prévu une retenue à la source sur les loyers perçus par les personnes physiques. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, on prend les recettes brutes. Donc, s'il s'agit du net, pour avoir le brut, il faut reconstituer le montant net. On va le faire après. Maintenant, on prend les recettes brutes effectivement perçues. Et à ces recettes brutes effectivement perçues, il faut rajouter les dépenses payées par le locataire incombant au propriétaire. Donc, toutes les dépenses payées par le locataire incombant au propriétaire, on le met dans le calcul du revenu brut foncier. Donc, toutes les dépenses payées par le locataire, mais qui incombent au propriétaire, on les rajoute. Mais on va enlever aussi l'ensemble des dépenses payées par le propriétaire, mais incombant au locataire. L'eau, par exemple, vous savez que les impôts fonciers, comme ce qu'on appelle les grosses réparations, les maintenances, les impôts fonciers, ça pèse sur le dos du propriétaire. Si c'est
dépenses-là ont été payées par le locataire, on les réintègre dans le revenu brut. Donc, l'ensemble des dépenses payées par le locataire, mais incombant au propriétaire, on va les rajouter, mais on va enlever l'ensemble des dépenses payées par le propriétaire, mais incombant au locataire. Par exemple, l'eau, l'électricité, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ça donc sont des dépenses qui incombent forcément au locataire. Donc, lorsque c'est payé par le propriétaire, on l'intègre dans le calcul du revenu brut. Donc, voilà comment on calcule le revenu brut foncier. Le revenu brut foncier, ce sont les recettes brutes qui sont effectivement perçues et on va rajouter l'ensemble des dépenses payées par le propriétaire incombant au locataire, mais on va enlever les dépenses payées par le locataire, mais aussi incombant au propriétaire. On va enlever les dépenses payées par le propriétaire, mais incombant au locataire. Donc, pour revenir un peu sur les revenus nets fonciers, c'est le revenu foncier brut moins les charges déductibles. Maintenant, les charges déductibles, elles peuvent être réparties en deux types de déductions. Il y a ce qu'on appelle les déductions réelles et les déductions forfaitaires. Donc, les charges déductibles sont constituées des déductions réelles et des déductions forfaitaires. On va d'abord parler des déductions réelles. Les déductions réelles, en fait, sont des charges qui sont effectivement payées par le propriétaire. Et se rapportent sur l'immeuble en question. Et cette charge doit être payée dans l'année d'imposition et cette charge doit être dûment justifiée. Donc, les charges déductibles, donc, ce sont des charges qu'on va permettre d'enlever du revenu brut foncier avant de l'appliquer sur le barème progressif. Les charges déductibles sont constituées de déductions réelles et de déductions forfaitaires. Et pour les déductions réelles, il s'agit de dépenses effectivement payées par le propriétaire et qui se rattachent sur l'immeuble en question et qui doivent concerner aussi l'année d'imposition et qui doivent être dûment justifiées. Donc, il faut avoir des factures qui peuvent justifier même que cette recette-là est effectivement payée par le propriétaire et il faut aussi que cette charge-là soit payée durant l'année d'imposition. Ça aussi, c'est quelque chose, une précision extrêmement importante à faire. Et les déductions réelles sont les frais de gérance, de gardiennage effectivement supportés par le propriétaire, comme on l'a dit, les intérêts sur emprunt pour l'immeuble parce que en achetant l'immeuble, je pouvais contracter un emprunt bancaire. Les intérêts sur l'emprunt pour l'acquisition, la conservation ou la réparation de l'immeuble. Et sous réserve que la banque vous donne un tableau d'amortissement certifié. La contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties, acquittées aussi par le propriétaire. Et les déficits des années antérieures dans la limite de 3 ans. Donc, voilà les déductions réelles. C'est une liste exhaustive. En dehors de ces éléments qui se figurent sur cette liste, les autres éléments, on ne les considère pas comme des déductions réelles. Déductions réelles dans la mesure où ce sont des déductions qu'on peut enlever à leur montant réel, mais sous prétexte de respecter ces conditions. La charge doit se rapporter au bien concerné. La dépense doit être effectivement payée par le propriétaire, doit se rattacher à l'année d'imposition et la dépense aussi doit concerner une dépense de l'exercice en cours. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, il y a un aspect extrêmement important à mon avis, il y a un aspect extrêmement important, c'est que ici, toute dépense qui ne figure pas sur cette liste ne peut pas être considérée comme une déduction réelle. D'accord? Donc, voilà les déductions réelles. Pour l'emprunt, il faut que l'emprunt soit contracté pour l'acquisition, soit pour la conservation, soit pour la réparation de l'immeuble. Mais aussi, il y a les contributions foncières des propriétés bâties et non bâties qui sont des impôts fonciers que le propriétaire doit payer et les déficits antérieurs. Lorsque le propriétaire de l'immeuble, sur les années antérieures, a connu des pertes, ces pertes-là, on peut les enlever, mais dans la limite de 3 exercices. Les pertes ne peuvent pas excéder 3 exercices. Les pertes ne peuvent pas excéder 3 exercices. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à savoir. C'est quelque chose d'extrêmement important à savoir. D'accord? Donc, ça aussi, c'est quelque chose à mettre en exergue. Maintenant, on y va sur les déductions forfaitaires. La déduction forfaitaire, c'est...
subsiste au titre d'ancien type de type en faveur de l'investissement locatif. On va dire que on va permettre aux propriétaires de déduire 30% du revenu brut foncier. Et ces 30% du revenu brut foncier vont représenter les frais de gestion, l'assurance de l'immeuble, l'amortissement et les dépenses d'entretien. À l'époque, avant la réforme de 2012, le taux n'était pas de 30%, mais le taux était de 20%. Mais là, on est à 30% du revenu brut foncier. Et ces 30% du RBF, on va l'enlever et ces 30% vont représenter les frais de gestion, l'assurance, l'amortissement et les dépenses d'entretien. D'accord? Maintenant, on va calculer l'impôt sur le revenu foncier. Et pour calculer l'impôt sur le revenu foncier, comme on a dit, il faut avoir le revenu net foncier. Le revenu net foncier, c'est le revenu brut foncier moins les charges déductibles. Et les charges déductibles, comme on a dit, sont représentées par les déductions réelles et les déductions forfaitaires. D'accord? Maintenant, là, il faut savoir les obligations déclaratives avant d'aller sur le cas pratique. L'IR qu'on doit payer, on doit faire un acompte le 15 février, un deuxième acompte le 30 avril et un dernier acompte au plus tard le 15 juin. Maintenant, on va prendre le cas de M. Moustapha Diop. M. Moustapha Diop a perçu des revenus fonciers. Au titre de l'exercice 2019 pour un montant de 36 290 000. Le montant de 36 290 000, et que le locataire a payé des dépenses d'entretien, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. M. Diop a payé 350 000 pour l'électricité, des frais de gérance de 50 000, l'assurance de l'immeuble, des intérêts sur emprunt pour l'immeuble, 440 000, dûment certifié, et le foncier bâti. Il est marié parce que, comme on a dit, toute l'imposition des personnes physiques tourne autour de votre situation matrimoniale. Le barème progressif qu'on avait utilisé sur la fiscalité des salaires, c'est le même barème qu'on va utiliser ici. Il est marié, 3 épouses dont l'une salariée, et dont 3 épouses avec revenu, 6 enfants dont l'un est à 24 ans mais poursuit des études universitaires. Et on a profité des déficits antérieurs. On vous a donné le déficit de 2012, 2013, 2014 et 2015. Il vous est demandé de calculer l'impôt sur le revenu foncier de M. Diop. Ici, on vous a donné qu'il a perçu des revenus de 36 290 000. Je disais que pour calculer le revenu brut foncier, il faut avoir les recettes brutes, pas les recettes nettes. Ce qu'il faut comprendre, le locataire reçoit un montant net. Parce que lorsque je donne ma maison en location en tant que personne physique, l'article 201 indique au bailleur, au preneur, c'est-à-dire, je loue par exemple mon bâtiment à Ensup, l'article 201 va dire à Ensup, avant de payer à M. Watt sa location, sur le montant qu'il vous a facturé, enlevez 1%, 5%, autant pour moi. Donc Ensup va enlever 5%. Et que les 5% que Ensup va enlever, c'est 5%, c'est une retenue à la source. Donc moi, je ne perçois pas le montant brut. Ce que je perçois, c'est le net. Et pour avoir le montant brut, on prend le montant net, on le divise par 0,95. Vous savez que 100% moins 5%, c'est 95%. C'est pourquoi on divise par 0,95 pour avoir le montant brut. C'est pourquoi ici, on a pris 36 290 000, on l'a divisé par 0,95. Maintenant, pour le revenu brut foncier. Le revenu brut foncier, on a pris les recettes brutes, c'est-à-dire on a pris les 36 millions divisé par 0,95, on a 38 200. On a rajouté toutes les dépenses payées par le locataire incombant au propriétaire. Toutes les dépenses payées par le locataire incombant au propriétaire. Et le locataire, ici, il a payé essentiellement quoi? Les dépenses d'entretien. Les dépenses de gros entretien, ce n'est pas le locataire qui doit le payer, c'est le propriétaire. Donc, on va réintégrer les 3 150 000 plus. Mais la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est certes payé par le locataire, mais on ne le réintègre pas. Pourquoi? Parce que la taxe des ordures ménagères, c'est une dépense payée par le locataire et qui lui incombe. C'est pas pareil, parce que pour les dépenses d'entretien, c'est une dépense payée par le propriétaire, par le locataire, mais incombant au propriétaire. Mais pour les dépenses d'entretien, c'est une dépense payée par le locataire, mais incombant au propriétaire. Donc, on va rajouter juste les dépenses d'entretien. Mais M. Diop, lui, il a payé 2 factures d'électricité. Et vous savez que l'électricité, c'est une dépense payée par le locataire, mais incombant au propriétaire. Une dépense payée par le propriétaire, mais incombant au locataire.
Donc, on va enlever les 350 000 parce que c'est une dépense que le propriétaire a payée mais qui incombe au locataire. Mais les frais de gérance, on ne va pas les rajouter, ça incombe au propriétaire. L'assurance, on ne va pas les rajouter, ça incombe au propriétaire et c'est lui qui l'a effectivement payé. D'accord? Maintenant, il faut parler des déductions réelles. Pour les déductions réelles, il ne faut même pas regarder ce que le locataire a payé. Parce que pour que l'opération soit une déduction réelle, il faut que ça soit effectivement payé par le propriétaire. Si la dépense est payée par le locataire, ce n'est plus une déduction réelle. Et je rappelle que les déductions réelles, c'est une liste exhaustive. Dépenses de gérance, de gardiennage ou de conserve, les intérêts sur emprunt pour l'immeuble, les impôts fonciers et les déficits indemnisés, si vous voulez. Maintenant, là, on va prendre les déductions réelles. On a 1 910 000, c'est le foncier bâti. On a les frais de gérance 50 000 fois 12 et plus que les 440 000 qui concernent le montant de l'emprunt. Si vous avez bien vu, on n'a pas pris l'assurance parce que l'assurance ne figure pas dans les listes, dans la liste qu'on a donnée pour les déductions réelles. On n'a pas mis aussi l'électricité parce que l'électricité, même ce n'est pas une dépense qui incombe au propriétaire. Maintenant, comment on a fait pour la déduction forfaitaire? On prend 30% du revenu brut foncier. Les 41 millions, on le multiplie par 30%, on a 12 300 000. Donc, 12 300 000. Maintenant, pour avoir le revenu imposable avant les déficits, parce que les pertes antérieures aussi, il faut les enlever. Pour avoir le revenu imposable avant déficit, il faut prendre les 41 millions, qui est le revenu brut foncier, moins la déduction réelle, 2 950 000, moins la déduction forfaitaire de 12 300 000, ça fait 25 150 000. Ça fait 25 750 000. Maintenant, pour avoir les revenus fonciers après déficit, il faut prendre les trois derniers déficits. On est sur l'année 2016. 2016 moins 3 ans, c'est 2013. Donc, le déficit de 2012, on ne peut pas le prendre parce qu'on dépasse la limite des 3 ans. Donc, on va enlever les déficits de 2012, de 2013, autant pour moi, le déficit de 2014 et le déficit de 2015. Mais le déficit de 2012 ne doit pas être pris en compte. Et pour calculer le revenu imposable, arrondi au milieu inférieur, il faut prendre le barème progressif, le même barème qu'on avait appris, jusqu'à ce qu'on atteigne le revenu imposable. Et vous avez vu ici, on dépasse largement les 13 500 000, mais on va prendre de 13 500 000 jusqu'à 25 700 000. 750 000 et on cumule les IR par tranche comme on avait fait sur l'impôt sur le revenu sur les salaires, on trouve 9 019 000. Maintenant, cet impôt aussi est susceptible d'être déduit en fonction de votre charte de famille et la réduction d'impôt dépend de quoi? De votre charte de famille. Il est marié, il a 3 enfants et il a 6 enfants, autant pour moi, on a 5 parts et à 5 parts, on sait que le taux de réduction c'est 45%, mais on ne peut pas dépasser le maximum. Et si vous regardez ici le barème, on a largement dépassé le maximum. C'est pourquoi ici, on a pris le maximum. Parce qu'à 5 parts, le maximum, c'est 3 180 000. Donc, on va prendre l'IR partiel, moins le maximum, et on trouve l'IR à payer. Et la retenue à la source qu'on avait opérée et considérée comme un crédit d'impôt, qu'il faudra enlever si l'impôt a payé. Voilà les gars, la séance du jour que je voulais vous présenter sur l'imposition des revenus fonciers. On va se retrouver sur la séance contact pour pouvoir mieux apporter des précisions par rapport à cette vidéo-là. Merci de votre attention. Merci à tous.